Hey, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour une autre soirée avec moi-même à Chasse-Pêche 2.0 pour partir de la semaine. Un bon lundi, température douce est arrivée. Juste avant de commencer, je vais vous poser une petite question parce que j'ai deux invités mystères et j'ai eu plein de gens qui voulaient savoir c'était qui, mais je vous pose la question tout de suite. C'est qui vous pensez? D'après vous autres, c'est qui? Ben, j'ai eu toutes sortes de noms. J'ai eu Cyril Choquette, ça aurait été cool, là, mais c'est pas lui, je vous le dis tout de suite. Bref, je vous souhaite une bonne soirée avec nous autres. Et avant de commencer, j'ai fait un petit live cette semaine avec David Bishop de Sitka et j'avais un cadeau, un chandail Sitka pour ceux qui allaient partager le live. Et le gagnant, c'est nul autre que Yann Campo. Donc, je vais communiquer avec Yann pour lui faire parvenir son cadeau. Donc, sans plus tarder, je vous fais monter mes deux invités mystères tout de suite. Je vais vous faire monter le petit canard parce que lui, ça a l'air que sur le dessus, il est quand même en dessous, ça pédale pas mal. Marcello. Bonsoir, Et, Serge. salut Marcello et Simon. Salut Serge. En fait, c'est deux dans un ce soir parce que vous Oui. êtes tous les deux animateurs de l'émission Québec Hunter. Exactement, le podcast Québec Hunter. Le premier podcast de chasse au Québec. Oui, Right? monsieur. Oui. Donc, ce soir, vous êtes les premiers podcasts au Québec avec le premier qui a fait des lives sur la chasse au Québec. C'est une soirée de première, on va se le dire, là. Une soirée première. Et c'est la première fois qu'on est live aussi, en plus, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Vous autres, ça va bien. Vous êtes enregistrés, vous coupez, vous recommencez. Et moi, j'ai Oh. la pression de tout ça. Et. Québec Hunter, on va retrouver ça. Vous avez une page Facebook, Oui. vous avez un YouTube, vous avez un Instagram et Exact. vous êtes aussi sur la plateforme Spotify. Exactement. On se met là-dessus, là, comme ça. Vous êtes capable de nous trouver partout si jamais ça vous intéresse, là. Good. Mon ami Marcello, ça a été plus facile d'écrire Chasse 365 que Marcello Piacentini. Ça me décrit bien, de toute façon, ça me décrit bien. Marcello, tu étais un guide de Chasse aux sauvagine, oiseaux migrateurs. d'oiseaux migrateurs, mais tu fais aussi du dindon, right? Oui, exactement. En fait, on se spécialise, notre champ d'expertise, c'est vraiment dans le gibier à plumes, soit même aller jusqu'à la corneille, la chasse aux pigeons, le dindon sauvage et toutes les multitudes de chasse à la sauvagine qu'on peut retrouver. Puis je sais que t'es pas mal craqué parce que quand j'essaie de t'appeler ou de te parler, t'es toujours en. T'es À la toujours. chasse. C'est à Voilà. la Il est dur chasse. à rejoindre ce Marcello-là. Ouais. C'est sûr, quand je suis sur le terrain, les boys, ben là, on est à la chasse. Hein? Mais Ouais. il y a toujours des bons timings pour me rejoindre. Mais oui, on chasse en fait à l'année sous différentes formes de chasse législative. Il y a toujours un gibier. Il y a toujours un gibier, disons-le comme ça, légalement qu'on peut chasser tout au long de l'année. Parce que là, actuellement, là, bon, là, le sauvagine est terminé là, Oui. depuis, je pense, janvier, se peux-tu? Oui, en fait, ça l'a terminé. Oui, officiellement, le 7 janvier, c'était notre dernière journée permissive pour la sauvagine. Et là, actuellement, tu es à la corneille. À la chasse à la corneille, Serge, oui. On a beaucoup Et... de fun. C'est une belle chasse pour la conservation, surtout là, pour la déprédation, même encore plus, là, c'est un peu mieux dit. Bon, on a du fun là-dedans. Tout au long de l'hiver, on est sur le projet Corneille. Hey, mais Good. là, Serge, moi, je te coupe, là. Ah, mais attends une minute. J'ai Ouais. une petite annonce juste avant de commencer Ouais. dans le vif du sujet. Je vais demander aux gens de partager le live right now. Et je vais faire tirer deux chandails, deux t-shirts Sitka à tous ceux qui vont partager le live maintenant. Donc, Simon, ben écoute, Oui, vas-y, je là, t'écoute. je vois où tu veux t'en aller, là, puis je trouve ça le fun, mais nous autres, Québec Hunter, le podcast, là, c'est ça qu'on fait. On a des invités comme toi, on les pose des questions pour les faire découvrir aux gens. Fait que je sais que tu avais le goût de nous poser des questions à nous autres, là, Ouais, mais moi, ouais, c'est ça le but à toi, là? mais non. Non. Non, On vraiment non. va marcher en mode Québec Hunter. Moi, On puis pourrait faire ça à Marcello, notre on style, va Simon. cuisiner. Répète ça, Marc. On pourrait faire ça à notre style. Qu'est-ce que tu en On va faire penses? ça à notre style. On va OK. poser des questions pour que les gens apprennent à te connaître. Parce Check-moi bien, que, Simon. vas-y, Check-moi Marc. bien aller. Il en veut Oui. un. Il en voulait un invité mystère. Je vais dérouler le tapis rouge fidèle à mon créneau jusqu'à Québec Hunter. Je Là, vais enlever le les tapis gars, rouge. vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de pogner le contrôle de Chasse-Pêche 2.0. Oui. Ça nous fait Check bien plaisir en ça. plus. Salut tout le monde. J'espère que vous allez aimer ça parce que d'après moi, vous allez découvrir quelqu'un d'assez intéressant.
Vas-y, March, avec déroule le tapis rouge, gang. Je vous lance ça, cet invité mystère-là. Mesdames et messieurs, pour votre invité mystère de cette soirée, Chasse-Pêche 2.0, on vous présente un passionné, un vrai de vrai. Passionné de chasse au gros gibier, passionné de chasse à l'arc, mais plus précisément de chasse à l'arc traditionnel. Passionné de pêche, surtout en ce qui a trait à ces fabuleux lacs secrets. Ouais. Passionné de tout ce qui se rapproche d'une odeur de bois, plus précisément secteur Clova. À micro fermé, il nous a partagé qu'au-delà de toutes ses passions qui l'animent, sa plus belle passion restera toujours sa femme. Mesdames et messieurs, pour votre soirée Chasse-Pêche 2.0, on vous présente le Yeti du lac Suzy, mais de son vrai nom, Serge Dapra! Là, je commence à avoir des chaleurs pas mal, là, parce que j'ai l'impression de m'en faire poivrer. Je vous ai trop parlé en coulisses, d'après moi, je vous en ai trop dit. Ben, puis là, on va me faire ramasser. Puis là, je veux qu'on profite du fait qu'on est live. Nous, on n'a pas cette chance-là d'habitude. Les gens, là, c'est le temps de poser vos questions à Serge. Là, pas c'est quoi le meilleur repas pour l'ours, puis ça prend-tu 100 grains ou 150 grains pour l'orignal. Posez des questions pour découvrir l'homme. C'est ça qui est le fun. Parce que là, vous le voyez depuis longtemps, là, mais je pense que les gens, ils connaissent pas nécessairement Serge. Ça fait 5 ans. Ben, c'est ça, tu sais. Ça fait 5 ans que je fais ça. Mais ça fait 5 ans que tu parles pas de toi, que tu... Non, très rarement. C'est ça. Puis moi, je veux commencer avec une question bien simple, parce que dans les coulisses, tu nous en as parlé beaucoup, tu chasses à l'arc traditionnel, mais à un autre niveau, là. Puis je veux savoir comment ça a commencé, ça. Parce que là, tu sais, t'es rendu comme assez ça accroche à l'arc traditionnel, puis ça part d'où, cette espèce de passion-là, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça, là, au Québec, là. Non, effectivement. Ben écoute, il y a plusieurs archers. Là. Je suis pas le seul à chasser à l'arc traditionnel. J'en ai plusieurs. Là. Il y en a un, Ken Taylor, entre autres, là, qui est un autre Yeti des bois, là, qui chasse à l'arc traditionnel. Là, puis il vit dans une réserve, il est marié à une autochtone. Mais bref, écoute, moi j'ai commencé jeune, là, à l'âge de 15-16 ans, chasse à l'arc. Trip de chasser avec une arc. Probablement parce que j'étais trop jeune pour avoir une arme à feu. Mon père connaissait pas du tout les armes à feu. Parce que moi, dans ma lignée, jusqu'à mon arrière-grand-père, il n'y avait pas de chasseur. Mon père a jamais chassé. Oh, ouais. Mon père a jamais chassé, a jamais tenu une carabine dans ses mains. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mon grand-père maternel, qui a vécu avec nous autres, parce qu'évidemment, je suis d'origine italienne, comme Marcello. Puis Marcello, ben, la famille, ça vit avec la famille. Hein? Bon. Oui. Mon grand-père maternel, il a tenu une arme à feu peut-être 2 semaines, 3 semaines dans ses mains. C'est quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, parce qu'il était typographe, il corrigeait les fautes d'orthographe pour une grosse maison d'imprimerie en Europe qui s'appelait maison d'édition qui s'appelait Flammarion. Puis ça a duré 3 semaines parce qu'il s'est fait ramasser par les Allemands puis a été 5 ans prisonnier des Allemands. Voyons donc. Ouais. mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère maternelle, lui, c'était un chasseur. Lui, c'était un vrai de vrai, un maniaque. Il avait des chiens. Écoute, un jour, ma grand-mère était toute jeune, elle a joué avec les chiens. Puis dans sa tête, au papy, les chiens étaient plus bons de la chasse. Boum, boum, tire les chiens, on en a fait d'autres, ça finit là. Fait qu'il y avait une graine de chasseur à quelque part dans cette lignée-là familiale, là. Écoute, il n'y a pas personne d'autre qui a chassé chez nous. Je suis surpris, moi, avec. Ouais, ça m'a jamais été inculqué. J'ai pas personne qui m'a amené à la chasse, c'est moi le premier qui a amené des gens de ma famille à la chasse, pas à la pêche comme tel, là, tu sais. Okay. Après ça, pour en revenir à l'archerie, ben, tout jeune, ben, mon père connaissant pas les armes à feu, jamais il m'a racheté ça, de un. Donc, je me suis fait des arcs avec des bouts de branches, on restait en campagne avec des flèches de bois, puis gosse à la main, puis même, écoute, les bouchons de bière, c'était spécial. J'étais ticu, je devais avoir, je sais pas, 13-14 ans, puis il y avait un monsieur qui avait un chac en bois rond qui restait en forêt. Okay. Un ermite, tu sais, qui était parent avec des voisins. Puis moi, je passais tout mon temps-là avec lui. Là, j'étais comme 200 ans en arrière dans ma tête. Là. On était pas loin dans le bois, là, mais j'entrais dans le bois, puis j'avais une allure de coureur des bois déjà à 13-14 ans.
Quand même. Et le bonhomme, évidemment, il picolait pas mal. Il passait son temps dans le bois. Oui. Et ce que je, probablement, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'il n'avait pas le choix de rester dans le bois. Probablement que la société n'en voulait plus. Ou, tu sais, ben, Moi, je ramassais des bouchons de bière, puis je me faisais des pointes avec ça. Des pointes de flèche? Oui, je faisais mes pointes de flèche avec ça. Ça tire comment, des pointes de flèche de bière, mettons? Écoute, je te dis pas que ça tire comme mes arcs aujourd'hui, mais ouais. De mémoire, ça tirait. OK. Ah, je culbutais des bouteilles, puis m'amusais avec ça, tu sais. All right. Puis après ça, ben j'ai connu les premières arcs à poulies. J'avais une arc traditionnelle à l'époque, une petite liqueur que j'avais achetée chez Canadian Tirelire, tu sais. Puis les premières arcs à poulies, des Whitetail Hunter de Bear, puis des Polar LTD, puis des Bear Alaskan, puis là, ainsi de suite, puis j'ai monté. Puis ouais, je faisais du... Commence avec des branches, ça. Comment tu dis ça? C'est du luxe quand tu commences avec des branches, hein? Ah, écoute, mon arc chez Chicken Tire, je l'ai eu longtemps. Je m'en suis débarrassé, je devais avoir 30-35 ans, je l'ai donné à un jeune. Bon, j'avais ça depuis l'âge de 14-15 ans, puis c'est une belle petite riqueuse en bois, là. Ouais. Elle était swell, là. Mais quand j'ai connu les vraies flèches de bois, les vraies flèches d'aluminium, comparativement aux branches que je me faisais, et ça tirait pas mal mieux, là, m'a dire, là, c'était pas mal plus haute. J'imagine. Là. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a amené à l'archerie. Puis l'archerie traditionnelle, en fait, c'est que j'ai chassé au Colorado avec des Américains. Puis okay. Aux États-Unis, la chasse à l'arc traditionnelle est très, très forte. Et moi, j'avais, dans ce temps-là, j'avais une Oneida. Oneida, c'est un arc à penture. C'est 2 mm avec une penture, ben, un système de balancier, mais c'est comme une recurve, tu sais. Ça a l'air d'un hybride entre les arcs à poulies et les arcs traditionnels. Fait que je chassais avec ça. Okay. Et c'est une arc qui était très présente. Ça pesait 5 livres, 0.2, 0.3, à part l'équipement qu'il y a là-dessus, tu sais. À bout de bras, là, c'est quelque chose. Là. Ouais. Là, j'arrive au Colorado avec mes 4 Américains, puis il y en a 2 que c'est des archers traditionnels, puis là, ça commence à me gosser un peu. Mais tu sais, moi, j'ai tiré beaucoup dans ma vie, beaucoup de flèches, et j'avais un petit talent pour ça, tu sais. Puis là, ça se met à me gosser, moi, je me dis à moi-même, hey, vous autres, avec vos. Comme Monette dit, vos lances forens, là, oubliez ça, vous n'êtes pas dans le game, mais pas en tout avec moi, là. Puis là, ils prennent un assiette de carton, une 10 pouces, tu sais, puis ils vont s'accrocher ça à peu près à 25-30 mètres. Puis là, je les regarde, je dis, tu sûr que ça va se rendre? Et zling, ça se met à piner dedans. Je fais comme, oh! Parce que moi, ce que je connaissais des archers traditionnels au Québec, ouais. C'était passionné, mais écoute, à l'époque, ça tirait vraiment pas fort. Là. Aujourd'hui, il y a du beau calibre dans les archers traditionnels aujourd'hui. Mais à l'époque, là, les gars rentraient dans le bois avec un tapon de flèche gold même, ça sortait de 9 à plus une. Là. Ils avaient tout perdu. Là. Ça coûte cher, ça, là. Là. Fait que moi, je me disais, c'est déjà difficile de chasser à l'arc. Ouais. J'irais pas m'handicaper plus. Mais quand j'ai vu que cette arme-là était capable de performer, puis que dans le fond, le problème, c'était pas l'arme, mais c'était ceux qui l'utilisaient, ben, je suis revenu des États-Unis, j'ai vendu mes arcs à poulies, je me suis acheté des arcs traditionnels, et puis depuis ce temps-là, je tire avec des arcs traditionnels. Ouais, puis ça longe pas. Ça longe pas parce que t'as pas d'appui flèche. T'as une corde de spare à transporter, that's it, t'as pas de câble, un set de lames que tu peux avoir en supplément. Mais la balance, c'est léger, ça pèse 2,5 livres. Fait quand je faisais les montagnes du Colorado, là, on va te dire, on chassait à 10-12 000 pieds d'altitude. C'était du stock, là, tu sais, traîner un arc, là, c'était pesant, là, puis malgré que j'étais en forme dans ce temps-là, là, mais ça gossait, là, tu sais, là, fait que ouais. Quand... Puis moi, ce que j'ai fait là-bas, c'est que moi, j'ai toujours tiré à l'instinct, pas de mire, jamais, OK? Je suis pas capable de tirer avec des mires. Autant je suis pressé avec une arc traditionnelle ou à l'instinct qu'avec des mires déclencheurs, je suis pas à te pogner un ballon à 4 pieds par 4 pieds, là, à 20 mètres, là. Ouais, hein? Alors, je me suis knocké 3 fois, moi, quand j'ai voulu essayer ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, on va faire comme les autres, on va m'en aller mire déclencheur. Ouais. Je me suis acheté un déclencheur aux États-Unis, mais j'étais à l'instinct. Je tirais, écoute, 70 mètres, je pinais dedans. Alors, j'ai dit, mais je mets des mains, ma boîte toute vous chauffer. Oublie ça, pas capable de pogner un ballon à 20 mètres. Voyons donc. Ouais. Je te jure. Ouais. Tu sais, t'as dit quelque chose là, sur lequel j'ai accroché, puis ça, c'est quelque chose que tu nous as dit off-record avant qu'on commence, et puis je pense que le monde, faut qu'il sache ça. Tu sais, tu dis, je tirais beaucoup de flèches, là.
Ouais. Tu sais, là, lancer de même, c'est-tu, je tirais des flèches la fin de semaine? C'est, ça, c'est quoi? C'est combien de flèches, là, mettons, là? 300-400 par jour, minimum. Ben, c'est débile. C'est, ça, c'était une petite journée. Quand même. C'était une petite journée. C'était lundi, une petite journée. Mais tu sais, pour moi, le tir à l'arc a toujours été un sport de concentration qui me permettait de fermer la switch, là, puis de me concentrer, puis de tirer. Puis ce qui est plaisant à chasse à l'arc, c'est que tes enfants, ta femme, n'ont pas besoin d'une force physique égale à toi pour venir te compétitionner. Là. Ouais, ta femme vrai. Va pas avoir un arc de 35 livres, puis tirer aussi bien que moi, puis me clencher, là, ça veut. Là. Ouais. Puis mes enfants, c'est la même affaire. Fait que ça permet de faire des activités en famille, en plein air, puis que c'est super cool pour tout le monde. Là, ouais, c'est vrai que c'est le fun pour les enfants. Tu peux commencer à tirer de l'arc bien avant que tu peux commencer à tirer de la carabine, là. Exact, ouais. Ben, c'est là, que... ouais, puis c'est parce qu'en plus, carabine, moi, je restais à Saint-Hippolyte, j'avais pas un grand terrain, mais j'avais un carport, là, tu sais, puis je tirais dans le carport, là. En carabine, au bisou, t'es pas capable, là. Faut tirer chez le voisin. Là, on dit ça. C'était ouais. Impossible à faire, mais à l'arc, je tirais, moi, écoute, je me reculais jusqu'à la route, là, puis je tirais dans le carport, à partir du chemin, les gens me voyaient tirer. Il y en a souvent qui arrêtaient, mais qui me regardaient faire, là, puis qui jasaient avec moi. Là. Hey, tu me donnes des idées pour tirer dans le garage, toi. Mais non. Puis t'as pas besoin pour te pratiquer puis t'entraîner, là. T'as pas besoin de tirer à 25-30 mètres. 10 mètres, 5 ouais. mètres, 8 mètres, 10 mètres, en masse. Juste pour répéter les mouvements, pour avoir la consistance. Mais là, quand tu commences à être consistant... Mets-toi plusieurs points, là, parce que tu vas péter des notes, tu vas péter des flèches. Les Robin Hood, comme ils appellent, là. Ouais, tu vas plus les maganer pour commencer. Les Robin Hood, c'est comme un coup de chance, un peu, là, tu sais, là. Ouais. Tu sais, fait que, pour ça. Fait que, écoute, c'est ouais. comme ça que ça a commencé, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Puis, si je peux donner un conseil aux gens, ouais. tirez pas à des fortes pressions. Restez dans votre gabarit, ce que votre physique est capable de prendre. J'ai 65 ans, je tire encore de l'arc traditionnel puis m'en tirer pendant encore 20 ans parce que j'ai jamais tiré en surpression. Je me suis jamais magané les épaules. Puis vous avez pas besoin d'avoir de la pression, une pression astronomique pour tuer un gibier. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'ai jamais dépassé... Mettons, quand je tirais à poulie, là, j'ai jamais dépassé 58 livres. À 58 livres, je pourrais tirer 400 flèches non-stop, c'était pas un trouble. Je montais ça à 60 livres. Après 50 sur les 15 flèches, là, je commençais à m'en échapper une ou deux. Puis là, ça me jouait dans le moral. Ouais. T'as une limite physique, respectez-la, puis vous allez tirer tant que vous voulez. Là. Oui, parce qu'il y a cette espèce de mode-là. J'ai entendu parler aux États-Unis, comment ça montait des arcs jusqu'à 90 livres. Là. Hey, 90 livres, là. Non, non, oublie ça. Là. C'est un problème. Oublie ça, tu te déboîtes. Mais, puis tu sais, c'est parce que t'as-tu besoin de cette force d'impact-là? Je veux dire, si ta flèche est assez lourde et bien placée. Non, t'as pas besoin de ça. Femmes tuent des gros gibiers à 40 livres de pression. Ben, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de tirer à 90 livres de pression, là. Mm. Tu sais, t'as pas besoin de ça, là. Ouais. Serge, j'ai accroché sur quelque chose, moi aussi. Tu nous as fait référence au Colorado. Est-ce que ta passion à travers la chasse à l'arc ou à l'arc traditionnel, peu importe, t'as fait voyager? Oui, parce que je tire de l'arc. J'ai commencé à tirer de l'arc dans le but de chasser, pas dans le but de faire du tir olympique. C'était vraiment dans le but de chasser. Petit gibier, gros gibier, name it, là. Pas de trouble avec ça. Puis j'ai commencé à les chasser. Écoute, je devais avoir 23-24 ans, peut-être. OK. Je pense que j'ai été un des premiers du Québec à faire de la chasse d'hiver dans l'État du New Jersey. La chasse d'hiver? Ouais, chasse d'hiver, ça commençait le 1er janvier, un mois de temps. Et tu chassais le chevreuil. Bon. moins 15, moins 20. Ça étire la saison. C'est le fun. Comment tu dis ça? Ça étire la saison, c'est le fun en maudit. Ben oui. Puis tu sais, dans ces années-là, au Québec, il n'y a pas de chevreuil ici. Là. Fait que j'ai commencé à aller là, puis après ça, j'ai commencé à y aller l'automne. OK. Parce que t'as le même permis qui nous permettait de faire les deux saisons. T'avais le droit à deux gibiers à 200 de Virginie au printemps, puis deux à l'automne. Plus, si t'achetais un permis extensionné, c'était deux autres chevreuils, puis là, tu vas avoir des tacs, tu pouvais t'amuser en masse. Et là, j'ai rencontré des Américains, des maniaques de chasse, puis je me suis mis chum avec eux autres.
Puis là, ils sont venus chasser avec moi ici. Ils sont venus chasser l'orignal, ils sont venus chasser l'ours. Puis deux autres, là. Écoute, j'en ai un, c'est un maniaque de dindon. Là. Il a tout fait les États américains pour le dindon. Ah oui, le Grand Slam, là. Ouais, il les a toutes, OK? Puis évidemment, il chassait le cerf de Virginie. Puis il aimait le Wapiti. Il allait au Colorado. Barney, il était en train de jaser avec un petit chum. Là. Il s'en allait au Colorado. Puis il me dit, hey, t'as-tu de venir? Moi, ça, il est ça. Hey, le voyage d'une vie, toi, chose. Ça, c'est mon voyage de rêve, là. Écoute, ça nous coûtait à peu près 1200 US à dépasser deux semaines, là. Oui, on va là. Ouais, mais là, c'était camping sauvage, là. Oui. Là, c'était la misère, là. Mais c'est ça. Pas de la misère, mais de la bonne misère, là, tu sais, là. Ouais. Mais on n'était pas dans les 5 étoiles, là, puis on n'était pas dans les pourvoyeurs. C'était sur le libre, puis les montagnes, puis on s'organisait. Puis les deux premiers voyages, on l'a fait en avion. On avait acheté des équipements là-bas qu'on avait laissés là-bas à des cultivateurs qu'on avait ramassés la deuxième année. Puis après ça, j'ai fait deux voyages en véhicule, 32 heures de route. Ouais, c'était quelque chose. Ça a l'avantage que tu peux amener tes affaires à toi, là. T'amènes tout. On quitte, puis ouais, c'est ça, là. Tout. Y a-tu du monde qui se sont gâtés, là, des questions, là? Ouais, ben c'est ça. Écoute, j'en ai une ici, là, Francis Pement, il dit, c'est quoi ma chasse préférée? Ouais. Oh, ça, c'est une bonne drôle. Ouais, ça en est une bonne, ça, parce qu'écoute... Hey, on peut-tu prendre des chances avant même que tu te lances? Même dans les commentaires, lancez-vous donc. Ouais, voyez donc dans les commentaires. Mais revenez avec cette question-là, là. Ouais. Je suis même pas sûr. Moi, je vais miser lourd. Dites-moi laquelle la préférée. Simon, tu mises sur quoi? Écoute, t'as chevreuil, orignal, ours, d'un gros gibier, connaissant Serge, on est là-dedans, là. Moi, je vais dire ours, parce que je sais c'est quoi le métier de base à Serge en ce moment. Ouais, là, mais laisse-toi pas le rire. On va voir tout le monde en commentaire. Ils sont... Ouais, laissez-vous pas le rire. Laissez-vous pas le rire. Là, ça répond. Lâchez pas. Ben écoutez, je vais vous le dire. OK? Ma chasse préférée, et que j'avais longtemps délaissée depuis que je suis pourvoyeur, c'est le cerf de Virginie. Ah. OK? Et pourquoi? La beauté du gibier, sa finesse. Là, je veux pas dire que les autres sont pas intelligents, là, parce qu'un ours, c'est assez spécial. Quand tu te mets à le chasser, là, tu te rends compte que c'est pas un tata qui est juste là manger tes beignes. Là. Pas en tout, là, tu sais. Mais je sais pas, la période de chasse, la saison, l'automne, ça sent bon dans le bois. C'est un gibier qui est bon à manger, qui est beau, qui est le fun, qui il donne plein de challenges, surtout quand t'es à l'arc, tu sais. Ouais. Mais je te dirais que mon deuxième, c'est l'ours. Yes. La raison, c'est que moi, je suis rendu à 65. Hein? Moi, il m'a levé le matin. Moi, dans ma tête, à moi, quand tu fais noir, tu dors. Ouais. OK? C'est même que je gère ça. J'ai la même excuse. Continue, Serge. Fait que l'ours, là, c'est une chasse de soir. C'est vrai. Ouais. C'est parfait pour un petit vieux. Je me repose. Puis je suis plus veilleux. Tu sais, je suis pas le petit vieux qui va se coucher à 9h. Moi. Oublie ça, pas capable. OK? Mais je vais me coucher à 11h minuit. Mais le matin, il ne peut pas me lever à 4 pour aller dans le bois. Tu sais. Non, on peut pas aller. Puis je vais te dire que même avec le chevreuil, je te dirais qu'aujourd'hui, je serais plus un gars de commencer à rentrer dans le bois à 8-9 heures que de rentrer à 4-5 heures parce que souvent, les gens qui sont rentrés vont se déplacer puis ils vont faire passer du gibier. Donc, je prendrais peut-être plus de temps, mais j'aurais autant de fun, tu sais. Mais c'est sûr que le chevreuil... Écoute, j'ai fait mes classes de chasse avec le cerf de Virginie. Mm-hmm. Aux États-Unis, j'ai expérimenté plein d'affaires, plein de trucs. Écoute, il m'est arrivé toutes sortes d'aventures au Colorado, là... New Jersey, là, écoute, j'ai vécu plein d'affaires, j'ai appris au bout, puis en chassant le cerf de Virginie, là, tu sais. Facile. Ouais. C'est parce que c'est tellement un gibier qui est difficile, c'est fin, là, tu sais, je veux dire, ça demande des efforts, puis du temps, puis c'est sûr que de mettre une pile de blé d'Inde, c'est une chose, mais tu sais, il y a moyen de pousser, là. Au New Jersey, on chassait pas comme ça, là.
Ouais, on n'a pas le droit de chasser ses appâts, là. Puis d'ailleurs, le gibier était tellement alerte, la pression de chasse était tellement forte, même dans ces années-là, que tu mettais, parce qu'une année, on avait le droit de mettre des appâts, de chasser sur les appâts. Okay? On avait mis des pommes près des pommiers. Ouais. Écoute, les chevaux sont arrivés 20 mètres, ça s'est massifié, ça revirait de bord. Non, hallucinant. Hallucinant. Ils comprenaient l'aspect que c'était pas normal d'un sens. Là. Ouais, exactement. Il y a un monsieur qui nous dit qui nous dit, c'est quoi le gibier qui t'a donné le plus de feeling? Je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Celui qui m'a donné le plus de feeling, justement, on en a parlé en coulisses d'ailleurs, et c'est pas c'est durant la chasse, mais c'était pas le gibier que je chassais. Ça va être bon, c'est écouter ça, gang. En fait, c'est arrivé au Colorado. Puis, Colorado, t'es dans la montagne tout le temps. Oui. T'es pas capable d'aller chasser l'autre bord de la montagne, t'as pas le temps d'y aller. Ouais, c'est ça, là. C'est aussi clair que ça, OK? Puis là-bas, il laisse le printemps, il dombe les vaches au pied des montagnes. Les vaches passent l'été à brouter dans les pâturages partout, parce que les Colorado, il y a un petit peu de tout, tu sais. Puis quand le fret pogne, les vaches redescendent. Puis les cultivateurs ramassent ce qui reste, mais souvent, il y a des vaches qui meurent. Et là, ben, t'as des prédateurs, dont des ours, OK? Et là-bas, au Colorado, ils ont de l'ours brun. En fait, c'est de l'ours noir qui est cannelle, OK? Mais c'est un ours noir, c'est pas un grizzly. Et moi, ma première fois, j'ai été là, moi, petit, dans ma tête, j'ai pas autres gibiers. Ben ouais. Là, je suis dans mon stand, puis il y a une carcasse de vaches pas loin. Puis là, je vois deux ours bruns. Là, je me suis dit, c'est-tu des grizzlies, bout de crisse, ou c'est des ours noirs? Ouais. Il devait pas être petit si tu t'es posé la question. Non. Il était assez... je te dirais que c'est des ours d'à peu près 350 livres, 400 livres. Il est assez mature. Assez mature. J'étais pas mal plus petit que ça, moi, mettons. Okay? Il était deux. Mais là, j'ai dit à un moment donné, ils vont sacrer le camp, c'est comme rien. Non, ils ne sacraient pas le camp. Puis là-bas, tu as des petits arbres, ça s'appelle des scrub oak. OK? Mais c'est pas un chêne. Mais c'est un arbuste qui a peut-être 5-6 pieds de haut, là. Puis ça pousse très dense. Quand tu rentres là-dedans, ben les vaches font des tunnels, les wapitis, les saint-mulets font des tunnels. Et tu passes par là souvent pour passer à travers de ces obstacles-là pour arriver dans des forêts plus matures, tout ça. C'est trop sale, ça, là. C'est trop sale. Et moi, il faut que je traverse ça là, pour descendre, pour me retourner au campement. J'ai peut-être une heure de marche, là. Parce que je suis loin dans la montagne. À un moment donné, la brunante à poigne, il faut que je descende, là. Et mes deux petits copains sont là. Petits copains sont là, ouais. Et là, je dis, OK, je pogne une flèche, sac ça dans un arbre, patlao, ça part. Et moi, tout de suite, hein, je descends, puis je regarde, hein, je fais le tour de l'arbre en estime avant de partir. Ouais, ça rend nerveux, ça. Et là, je passe là-dedans, j'arrive là-dedans, je regarde au bout du tunnel, c'est correct, je vois rien. Et j'arrive à l'autre bord du tunnel, là, il est à 5 mètres de moins. Oh. Mais lui, là, il a aussi peur de moi que moi, j'ai peur, là. Et il m'a lâché un cri de la mort, man. Puis moi tout, j'en ai lâché un là. Ouais, c'est réciproque, hein? C'est réciproque. Mais lui, il est parti Saint-Bart, mais moi, j'ai écrit le camp sur l'autre bord assez vite. OK? Puis là, j'arrive en bas, mes taouins américains, hein, ils riaient de moi, tu sais, quand j'ai raconté ça. Je dis, OK, venez chasser avec moi demain. Il n'y a pas un qui a voulu venir. Le courage était parti. Ouais. Je te dirais que ceux qui. Pour revenir à la question du monsieur, ça, c'est celui qui m'a donné. Un de ceux qui m'a donné un gros feeling. L'autre, c'est encore un ours au New Jersey. Okay. Au New Jersey, ils ont des ours comme ça. D'une semaine, je l'ai vu 40. Wow. Oui, on l'a. À chasser le chevreuil, là. Wow. Hey. OK? C'est même pas bonne bébite. Non. Puis, ils ne sont pas chassés, ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont pas de saison de chasse. Puis là-bas, le dimanche, tu n'as pas de chasse. Tu n'as pas le droit de te promener en forêt avec une arme. Que ce soit un couteau, tu n'as pas le droit d'avoir un couteau sur toi. OK? Mais moi, toi, tiens, j'ai toujours eu un petit côté fantasme un peu. Puis, je vois un ours avec... Il y en avait deux, trois autres, OK?
Hey, moi, bon, curieux, on va voir ça. Il y a des trois petits mondes. Monte dans les arbres. Là, je suis pogné dans un triangle. Ouais, là, la maman est là. Là, là elle vient de poil, mon homme, raide sur le dos. Là. Puis là, elle me charge. Là. Puis elle fait des. Ah, les dents qui claquent, là. Ouais, ouais, ouais. Puis elle allonge des souffles, là. Elle est quand même. Ben, elle est loin de moi, elle est loin de moi. Écoute, elle est peut-être à 20 mètres de moins, là, tu sais. On va dire trois sauts, puis je suis fait. Ouais, le temps de me revenir de bord, elle m'a snappé, là, elle. Là, je vais te dire que je me suis pas trouvé trop smart. Là, il y a quelqu'un qui a le don de se mettre dans la marde, puis je pense que c'est moi. Oh, clairement. Ouais. Là, j'ai reculé tranquillement. J'ai sorti de la périphérie des petits. Elle s'est calmée. Puis là, je suis parti à reculons tranquillement, de face. J'ai pas tourné le dos. Je suis parti tranquillement. Puis après ça, elle est partie sur son bord, puis ça a arrêté là. Je te dirais que c'est mes deux rencontres avec un bon feeling. Je peux te dire que la deuxième, là. Le premier était quelque chose, mais la deuxième, elle avait une coche au-dessus. Quand le claquage dedans, là, ça sent bien sûr parce que moi, j'ai jamais un ours qui m'a chargé. Là. Jamais, jamais, jamais. Oh, ouais, c'est jamais arrivé. Là. Même à la pauvrerie, là, c'est jamais arrivé. Mais là, là. Ouais, quand même. Ouais. On a-tu d'autres Serge, questions? Parlons-en, en attendant que les questions arrivent du public. Parlons-en de la pourvoirie. Comment est-ce que quelqu'un d'envie se ramasse pourvoyeur? Aussi simple que ça. Comment tu t'es décidé un bon matin, ça y est, Serge Dapra, pourvoyeur, c'est parti. Premièrement, j'ai dû prendre une brosse la veille. Et toutes les bonnes histoires commencent de même. Je m'en attendais pas, mais intéressant. Écoute, tu m'aurais dit deux jours avant, tu m'aurais dit tu vas acheter une pourvoirie. Je t'aurais dit, man, t'es dans le champ total. C'était pas à long terme un projet quelconque. Ça avait... J'avais zéro intérêt pour ça. Pas en tout. J'avais un dépanneur et j'ai eu des problèmes au dépanneur avec des vols. Puis je commençais à en avoir plein mon. Excusez l'expression, plein de cul, comme on dit. Des hold-up, genre, là. C'est ça que tu veux dire? Pas des hold-up. Des vols. Parce que je serais probablement pas là aujourd'hui parce que je les aurais frontés puis ça n'aurait pas passé. Comment ça comprend ça du personnage? Lui, il serait pas parti à courir de l'autre bord, là. Non. Du même bord. C'était des vols de nuit, là, tu sais. Défonçage de nuit, là. Ouais, ouais, Écoute, je me suis fait défoncer 40 fois. Pas compliqué. Wow. Hey, c'est gros. Ah ouais. Alors, je n'avais plein mon cul. À part les petits que je pognais, on me faisait faire du vol à l'étalage, là, aussi. Ouais, paquet de gomme puis les bateaux. La bière, le vin, bon, toutes ces affaires-là. Bref. Ah, c'était quoi ta question? J'ai perdu le fil. Là. L'Axisie. Ah oui, l'Axisie. L'Axisie. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est les couches et le Pablo qui vont embarquer dans pas long. un de mes chums avec qui je chassais, qui, son frère, la pourvoyerie appartenait. Puis moi, à l'âge de. Justement, avec mes chums américains, on a été chasser l'ours là, au L'Axisie, ce que j'ai acheté. OK? Ah, ouais. Ça avait été à l'air. Ouais, mais là, c'était une épopée montée là, là. Dans le temps, là, je devais avoir 25 ans, 30 ans, là. Chauriais tes ponts, là. OK? Il y avait 30 km de chemin, ça prenait 3 heures, puis il fallait chaurier tes ponts, là. Des ponts pour pick-up, des ponts de 4 roues, là. Comment? Des ponts, pour en 4 roues, là, des 2 par 4. Non, là, les pick-up. Pour les pick-up. Wow. OK. Moi, j'ai fait passer des Américains. Écoute, ils chiaient dans les culottes, là. OK? Il y a un cric à pourvoirie, ben, si à un moment donné vous venez, ben, vous le montrer, parce qu'il existe encore. Il y a 6 pieds de profond, ça a 8 pieds de large, OK? C'était 3 locks sur un bord, 3 locks sur l'autre, attachés ensemble. Oh boy! Puis tu passais là-dessus, puis le quin était à l'autre bout. Ouais. C'était ça, le Lac-Suzy. Quand j'étais là, j'avais 20-25 ans, c'est là que j'ai tué mon premier ours. OK? Fait que le frère de mon chum, à qui ça appartenait, Guy, arrête chez nous à un moment donné, à Saint-Hippolyte, puis il me dit « Hey, Jean-Louis, ça pourvoirait à vendre. » Ça rentrait là, ça a sorti là, ça a fait une petite coche entre les deux. Ouais. Ça a semé une graine, comme mon chum David dirait. Là, je fais comme « Oh, peut-être. » Je commence à être tanné du dépanneur, tu sais, puis... Mais là, tu sais, tu prends pas la décision tout seul, tu jases de ça avec madame, parce que tu t'en vas pas 6 mois dans le bois avec... Mais moi, j'avais plus de jeunes enfants, ils étaient tout élevés. Ouais. Tu sais, c'était plus facile, là, puis tu peux pas faire ça quand t'as des jeunes enfants, là, à l'école, puis tout, là, c'est pas mal plus difficile. Ouais.
ça risque de chirer dans les détours un peu là, avec la famille, là, mettons. Là. Là, ça va être cool la première année, deuxième année, mais après 4-5 ans. Quand t'es pas là. Hein, ouais, parce que c'est compliqué un petit peu la vie de pourvoyeur. Là. Les gens, ils... oui, c'est le fun, c'est super trippant. Là. J'ai du fun au bout. Là. Mais, moi, de mai à octobre, il n'y a pas personne qui a le droit de mourir. Personne qui se met là-dedans. Non, c'est comme. Tout le monde est averti. Tout le monde est averti. Je ne pas dans les mains entre mai et octobre. C'est bon. Un petit peu ça. Je vais dire que c'est une prison dorée, une pourvoirie. C'est une belle prison, mais oui. C'est une prison dorée. Ça a ses inconvénients et tout ça. T'sais. Fait que, bref, c'est de même que je me suis lancé. Je connaissais le territoire. Je savais que le territoire était excellent au niveau de la pêche, de la chasse. De la chasse plus, de la pêche, parce que j'ai jamais été vraiment un pêcheur. Moi, je le suis plus depuis que je suis pourvoyeur. Ouais. Donc, j'ai après qu'on était là, puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un fichu de bon territoire aussi de pêche. C'est ce qu'on entend dire. Comment? C'est ce qu'on entend dire. Ouais, mais les camps, c'était à chier. Ah. OK? C'était... J'ai pas acheté les camps, j'ai pas acheté pour les camps, j'ai acheté pour le territoire. Ouais. Parce que quand tu vas acheter une pourvoirie, ouais, tu peux acheter une très belle pourvoirie avec des beaux camps, 5 étoiles, puis des spas, puis toute la patente, mais s'il n'y a rien dans le bois, puis dans le lac, oublie ça. Ouais. J'ai dit, c'est plus facile de rebâtir des camps que de planter des orignaux, puis des ours, puis... Bon. Si jamais tu as des arbres à ça, j'en prendrais un. Là. J'en ai pas vu beaucoup l'année passée. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis ramassé... Je me suis ramassé comme ça pour voir. C'est ce qui a fait que j'ai acheté. J'ai accroché à quelque part, Serge. Ouais. T'as tué, avant même d'avoir été propriétaire de cette pourvoirie-là, c'est là que tu avais prélevé ton premier ours. Là. Écoute, moi, vous faire rire un autre shot. T'sais, un chasseur, là, il arrive plein d'histoires dans la vie. Hein. Oui, puis ça, c'est une des bonnes choses de la chasse, les histoires de chasse. Ouais. Puis, m'a vous la compter. M'a fait rire de moi un peu, m'a vous la compter. Le monde à l'écoute, le partager, c'est le temps, m'a vous en sortir une bonne. Là. Une vraie bonne. Je monte à la chasse à l'ours 4-5 jours avec mon autre chum, Michel, puis Jacques, puis Tigui dans le temps, qui était notre chum aussi de chasse. Il était rendu comme il s'occupait de la pourvoirie. Jean-Louis était à Clova, lui avait un autre business à Clova, puis c'était Guy qui s'occupait de la pourvoirie. Fait qu'on était un petit peu comme gâtés, puis c'était pas une pourvoirie populaire, parce qu'écoute, c'était tellement loin aller là dans le temps. Là, je te dis, Clova, la pourvoirie, 32 km pendant 3 heures. Quand il faut que tu t'amènes un pont, là, je veux dire. Il fallait que tu sois décidé solide, là. OK? Solide. Fait que là, bon, ben, s'installe. Tigui nous prépare des spots à l'ours, tout ça. Puis bon, je m'en vais sur mon spot à l'ours. Premier soir, moi, un ours qui arrive. Moi, dans ma tête, hey, un big, même qui s'en vient. Puis dans le temps, je tirais des pilules quasiment. Là. Fait que j'avais pas. L'ours, il n'avait pas grand chance, mettons. Ouais. Okay? Je coffe l'ours de face. Il était face à moi, j'y mets ça drette-site entre les deux. Puis je tirais avec la flèche pesante. Mon 58 livres de pression. J'étais pas à poulie, j'étais pas au traditionnel dans le temps. J'étais à poulie, c'était dans mes dernières années. Je te passe ça bord en bord de l'ours. La pointe deux lames, la bear deux lames. L'ours, il vire de même. Puis il tombe la tête d'un log de bois. Oh. Cul à moins. OK? Cul à moins. Puis, il lâche ses deux, trois petits cris de mort. Ils sont dedans de monde. Ah ouais. OK? Moi, tout content. Puis, écoute, j'étais énervé. Là. J'étais l'adrénaline au bout. Là. Puis, j'étais comme Marcello, petit canard. Là. Puis, descends de mon arbre, pogne une flèche. Là, je peux pas y piquer ça dans les yeux. Normalement, c'est ça qu'il faut faire, c'est dans les yeux. Ça, ouais, c'est sûr. Là, il y a la tête dans le baril. Ah ouais. Je pique d'une fesse, bouge pas, tu sais, je vois que c'est mou, là. Mets mon arc à terre. Il vient une poignée d'une patte, mais finalement, il était pas gros. Il devait peser à peu près 85 livres, OK? OK. T'as pas un monstre, pas en tout. Je l'avais pas mal surestimé.
C'est ça que j'ai passé bord en bord en longueur avec, avec ma flèche parce qu'il n'avait pas long à faire, mettons. Okay? Et là, l'ours, il devait rester de l'air dans les poumons. Ça fait je me suis ramassé, là. J'ai steppé. J'ai ramassé mon arc. Je t'ai tiré. Je te dis, je suis comme un GI de l'armée, là. Ça s'est fait une fraction de seconde, je suis prêt à y en coller un autre. C'est assez pour barrer ses shorts, ça, là. Ah, ouais, ouais. Là, je fais comme, d'après, tabarnak, réveille. Il est mort, là. C'était les poumons. C'est les poumons, vraiment, tu sais. C'est bon. Là, sors ça de là. Là, je le brasse, tu sais, je vois bien qu'il est mort. Tu sais, je... Là, je le vide. OK? Je viens pour le vider. Ouais. Avant de le vider, là, j'y pique le couteau, là, mais j'ai une flèche dans les mains au cas où que. Alors, je te dis, c'était vrai chaud. Mais c'est pas tout, ça n'a pas fini là. Là, je le vide. Ben, bon. Il est vidé, là, c'est clair qu'il n'y a plus de gaz dans le moteur. Ouais. Là. Hey, je t'allais ficeler mon âme sur le 4 roues, là. J'ai dit, tu bougeras pas de là. Il est en arrière de moi, j'ai dit, tu bougeras pas de là, ça c'est clair. Je te dis, je t'arrive au camp, là, les gars, ils pissaient à terre là, quand je leur ai conté ça. Là. Le step et tout que j'ai fait, là, c'est... Wow. C'est pour ça que j'aime la chasse à l'ours, parce qu'à la date, voyez-vous, les trois histoires que je vous ai contées, c'était avec des ours. Là. Ouais. T'sais, c'était avec des ours. Tu t'es pas fait attaquer par un chevreuil, là. Non, je me suis jamais fait attaquer par un chevreuil. Jamais. Super belle anecdote. Pour revenir à la pourvoirie, t'as eu longtemps, disons-le comme ça, un secret bien gardé qui commence à être de moins en moins un secret. J'ai baptisé, ou de moins tout a dû baptiser, mais je l'ai baptisé ce soir le Chenever. Veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, la renommée de ça? L'ancien pourvoyeur, avant que j'achète, Jean-Louis, 2 ans avant que j'achète. Bon, premièrement, c'est un secteur adoré. OK, l'Abitibi, c'est un secteur adoré. Moi, dans mon coin, il n'y a pas de truite, il n'y a pas de cric à truite. Là. Il n'y a pas une truite qui va survivre là avec les brochets et les dorés qu'il y a là. OK? Puis, il y a eu un projet pour réimplanter le doré dans 2 lacs, le lac Suzy et le lac Chenever. Et aménagement de frayères, tout ça. Puis, fait, quand j'ai acheté, Jean-Louis m'a donné l'étude, que j'ai d'ailleurs encore. Puis il m'a dit, ces lacs-là, pas avant 3, 4 ans, 5 ans minimum avant de commencer à penser à y pêcher. Parce qu'il venait d'être ensemencé, là, puis... Ça n'a pas été ensemencé. Ça a été réintroduit et aménagé. C'est-à-dire réintroduit parce que un doré, tu ne peux pas ensemencer ça. C'est trop fragile, un changement d'habitat. Okay? Okay. Ce n'est pas comme une truite. Ouais. Je peux pogner un doré, mettons, du lac Hachette, l'amener au Chenever, puis il ne survivra pas. Puis je peux en pogner un du Victorine, que le taux d'acidité de l'eau, les composantes de l'eau, tout ça, va faire qu'il va survivre. Okay. Puis je pourrais pogner un du Chenever, puis lui, au Victorine, il ne survivrait pas. C'est complexe comme ça. Okay. Tu peux prendre un doré puis le piquer 3-4 fois puis le remettre à l'eau, pas de trouble, mais tu peux pas les changer d'habitat, exactement. OK. Fait que là, ben, ça a été comme ça pendant 3-4 ans. Moi, j'ai acheté en 2008. En 2011, je décide d'aller tester le Chenever. Les 8 premiers dorés que j'ai pris là. Moi, je suis pas un pêcheur de dorés, là. OK? Je pêche parce que la pourvoirie, l'été, pas d'autre chose à faire que de pêcher, hein? Pas de chasse. Fait que, bon, m'emmener fendre du bois, tu te tannes, hein? Tu dis, m'en aller à la pêche. Fatigué. Aller pogner du doré. Les 8 premiers que j'ai pris là, bac à bac, il n'y en avait pas un en bas de 8 livres, m'a dit. J'ai dit à ma femme, poisson, ça. Je pêchais avec ma femme, j'ai dit, chérie, c'est le même hostie de doré qu'on pogne qui nous suit, calé, ça. Pas... Il s'était cogné la tête un peu avant, lui. Non, il y a quelque chose, il nous suit, il nous a adopté, il y a quelque chose. Okay? Là, on a pêché à peu près 2-3 heures. On a dû en prendre une 50aine. Là. OK. Puis il y en avait à moitié. Je veux pas dire la moitié parce que les gens vont penser que je suis un menteur, là. Mais il devait en avoir facilement 30% là, que c'était 6 livres en montant. Là. Oh, wow. Puis les autres étaient pas bien, bien loin en arrière de ça. Okay. C'est... Ouais. Là, j'ai dit à ma femme, j'avais mon gars qui était là aussi avec un de ses chums. J'ai dit, pour moi, c'est des astres étant alignés. Écoute, ouais. J'ai jamais vu ça. J'ai pêché un peu, j'ai jamais vu ça, là. Pogné du doré, là. Oh, ouais. Pas,
Pas de cette façon-là. En arrière de l'autre, là. Ouais. Fait que là, mon gars, je dis à mon gars, Seb, j'ai dit, on va aller au champ de verre, on va aller le retester encore. On a dû empoigner 100-150. Il en avait à moitié en haut de 6 livres et plus. 3-4 heures de pêche, à peu près. T'as dit que c'était fou braque. Là, j'ai fait comme, OK, remise à l'eau seulement. Puis j'ai ça de ce lac-là. C'est ça, c'est un lac trophée. Puis là, je vous parle pas des brochets, là. Je parle juste des dorés, là. Oh! Parce que des brochets de 15-20 livres, 25 livres, c'est pas rare, là. Wow! C'est pas rare, là. Puis est-ce que les brochets, c'est remise à l'eau aussi? Ou... Ah oui, c'est remise à l'eau. Mais là, je commence à en sortir. T'sais, j'ai une cliente, là, Martine, elle a dit non, tu n'es pas les menteurs puis y être allé. Bon, j'ai des bétails dans le lac. Martine, elle revient encore cette année. Ça fait, écoute, ça, c'est du monde. Des bijoux. Ouais. Elle et son mari, là, des bijoux, des super le fun. Ils m'ont démerdé. Lui, c'était un petit peu un patenteux, je te dirais. Là, c'était un crack de électromécanique, là. Et quand j'avais mes troubles de génératrice, il m'a dit une chance que je l'avais, lui puis son frère, puis Bernard, le couple d'amis qu'il y avait, là, ils m'ont été d'un grand secours. Fait qu'évidemment, ils ont été gâteaux au Chenevin, un petit peu, tu comprends. Ah oui, ça. C'est ça, exactement. Et écoute, j'ai eu un show de TV qui est venu qu'à la mouche. Oui. C'est des gars qui pêchent juste à la mouche, puis ils voulaient venir au mois de mai. Mais moi, je pêche jamais. Moi, le juin, je pêche jamais. Okay. Jamais, j'ai pas le temps de... Ben, c'est l'ours, hein? C'est les bêtes à ours, puis tout ça. Là. C'est l'ours, c'est partir de campement, tout ça. Puis bon, puis déjà, je suis pas trop pêcheux de nature, tu sais. Là, je le suis un petit peu plus, là, mais à l'époque, je l'étais moins. Puis, tu sais, je capotais plus pour faire des trails, aller à la chasse à l'eau, préparer mes spots de chasse à l'orignal, puis vice-versa, tu sais. Fait que quand il y en a un autre qui confirme, Frédéric Réaume, Fred, c'est le concepteur des barbecue Father's Cooker. Okay. Où il revoit ça, là. Ouais, non, c'est très, très bon. Écoute, c'est quasiment un petit four, ça fait un job d'un fourneau, tu manques d'électricité, là, puis ton barbecue, bien, ah ouais, non, je peux le dire, c'est ça accroche, ouais. Solide. Fait que, comment est-ce qu'il s'appelait, donc, lui, le gars de Calamouche, c'est un chic type, là, c'est un musicien, il donne des shows, il en a donné en Europe, tout ça, c'est un violonneux, puis c'est un maniaque de pêche en mouche. Puis il avait entendu parler de la pauvrerie, il avait entendu parler du lac Chenevert. Okay. Il me dit, écoute, je veux y aller. Je dis, écoute, peut-être bien pas à la bonne période, 31 mai. Il dit, man, laisse-moi aller. Le brochet, je connais ça. Laisse-moi aller. Ce soir, on va te faire un film. Ils sont venus une semaine. 15 minutes, le film t'a fait. Le show TV t'a fait. Il est revenu de là le premier après-midi. Il dit, man, il dit, t'as un world class. T'es un lac world class, là. Oh. Trophy, un world class trophy, là. Prends-en soin, là. Parce qu'il dit, j'ai jamais vu ça ailleurs, là. Jamais, là. Hey, c'est le fun, ça, hein? Ouais. Le lendemain, on est retourné à la pêche avec lui. Puis ma femme aime la pêche en mouche. Fait que le trip, c'était d'y faire pogner, un gros. Écoute, à un moment donné, on l'a eu sur la caméra, là. Il a sorti de l'eau à peu près ça, là, le corps, là. Juste, mettons, la tête jusqu'en bas des ouïes, là. Je t'ai dit, c'était gros de même, ça devait peser 25 livres. Un tronc d'arbre. Puis, comment tu dis ça? Un tronc d'arbre. Ouais, puis il a pété la ligne, puis il est parti, tu sais. Mais on l'a juste capté, si tu veux, 8 pouces hors de l'eau, là. Fait que, quand j'amène des gens à se baigner là, ben je leur dis, ça vous prend un jackstrap, parce que vous rentrez pas dans l'eau. Il n'y a pas de skinny dipping, là, vous allez perdre votre verre de terre, les amis, là. Exactement. Calamouche, c'est Alain-François Lamontagne. Merci, Carl. Un chic type, j'ai eu du fun au bout avec lui. Puis écoute, j'ai eu aussi Daniel Robitaille qui est venu pêcher avec moi, là. Qui a fait il est venu deux fois, Daniel. Il est venu une fois en vacances avec sa famille, que je l'ai invité. On a fait des petites affaires ensemble, des petites capsules. Comme ça, il est revenu avec l'équipe de l'heure juste, que d'ailleurs, je vais recevoir pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, le 20. Okay. Le 20 janvier, avec l'équipe de l'heure juste. Puis Daniel Robitaille, du doré, il en a pris pas mal plus que moi, toi, puis Marcello. Oh, il en a pris. Sa légende n'est pas à refaire. Non. Puis moi, je l'ai vu faire. Il en revenait pas. Fait que. Ça, c'est un lac-là, j'en prends soin. C'est comme la prunelle de mes yeux, là. Je te dis, même un temps, j'étais fatiguant, ma belle-mère n'avait même pas le droit de ramener du doré de là. Ça, c'est pour te dire, là. Puis même moi, là.
Des fois, j'en ramenais un peu, là, mais m'a dit, c'était comme... Tu sais, c'est un lac de 7 km de long. À un moment donné, il faut t'en sortir du poisson, parce que s'il y en a trop, c'est pas mieux. Ouais. C'est pas... Trop, c'est comme pas assez. Ça fait le même effet à l'inverse. Tous les écosystèmes, c'est ça, là. Ouais. Fait que là, je commence à en sortir un peu. Tu sais, on prend un petit quota de 2-3 par client, là, puis dans des bonnes tailles. Tu sais, pas des trophées. Tu sais, les trophées, ça, c'est clair. Il n'y en a pas un qui sort de là. Ouais. Ça, c'est clair. Puis, mais dans les autres, on en ressort parce qu'à un moment donné, tu sais, je sors peut-être 200 dorés par année du lac, là, sur un lac de 7 km. Là. Puis des gros brochets, on commence à en retirer parce que c'est des mangeux de dorés, là, tu sais. Ouais. Mais, c'est aussi bon, des brochets. C'est aussi bon. Tu nous confiais qu'au-delà du chenet vert, tu as une multitude de lacs quand même intéressants là, à pêcher. Là. C'est juste que le chenet vert, lui, il a eu son effervescence qu'il y a toujours d'ailleurs, mais il y a une multitude de bons lacs à pourvoirie là, aussi. Oui, effectivement. J'ai de la cachette. Le Suzy est très, très bon. Le Suzy, c'était un lac trophée aussi à l'époque. Mais à un moment donné, j'ai 3 chalets dessus. Je ne peux pas loger des gens dans le chalet et dire vous n'avez pas à pêcher là. Ouais. Fait que je l'ai ouvert avec un petit quota, tout ça. Puis là, je le laisse plus ouvert. Ça pogne des bouts, c'est pogné à 13 livres l'année passée dans le Suzy. Là. Les brochettes de 20-25 livres en mars, là, ça arrive très, très souvent. Wow. Ça, tu sais, j'ai le Victorine, j'ai la chaîne des Yockel, j'ai le Vernon, j'ai le Naomi, il y a le Lacno qui est très bon aussi. J'en ai plein, mais j'ai des lacs aussi juste à brochet. Quand tu vas aller t'amuser avec des kits, ben c'est super cool, là, tu sais, là. Puis avec des excursions à le Venise, Yann Campo. Le Venise aussi, qui est très, très bon, qui est pas un grand lac. Chez nous, ce qui est intéressant, puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas, à part le Suzy puis le Victorine, le Chenevert. Chenevert qui mesure, qui est un petit peu plus large que le Suzy. Parce que le Suzy, il est pas très large. Il est long, mais il est pas très large. Donc, même si tu as des grands vents, tu vas pouvoir aller à la pêche pareil, ça brasse pas trop. Chez nous, j'ai ça. J'ai des petits lacs, 3-4 km. Donc, grand vent, tu peux aller pêcher pareil, puis c'est pas comme, t'es pas comme sur le Gouin, là. C'est pas des mers, là, tu sais, là. on est ailleurs. C'est ça. Exactement. Puis là, ta gang, as-tu d'autres questions le fun, là? Parce que nous autres, on en a une liste, là. Mais... J'en ai eu, mais là, il faut qu'il m'en repose d'autres, là. Bon, on va l'éplucher, nous autres. Parle-nous, justement, on est dans le vif de la pourvoirie, justement, qui est un peu tes entrailles, disons-le de même, depuis la dernière décennie. C'est mon terrain de jeu. C'est ça qui m'a permis de bâtir un peu Chasse-Pêche 2.0. Oui. OK. Mon côté web du métier de pourvoyeur et d'aller faire du film, de côtoyer des gens. Parce que moi, je suis pas un gars de bureau. Hein. Je déteste la paperasse. Moi, je suis un gars de terrain. J'aime mieux partir en chaloupe avec un client, l'amener en pêche avec moi, le faire triper que pousser mon crayon sur la table dans le bureau. Là, tu fais les comptes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, tu viens de faire une petite nuance, Serge. Hey, allons-y, allons-là. Tu as été dans les premiers, on ne froissera pas personne, ouais, à faire des événements chasse en live, des événements chasse-pêche plein air en live sur le web au Québec. Ouais, effectivement. Écoute, quand j'ai acheté la pourvoirie, évidemment, un pourvoyeur, ça fait des salons pour y rencontrer du monde. OK? Les premiers salons, écoute, je n'ai fait jusqu'à 12 dans une année. J'arrivais le lundi, là, puis le mercredi, je repartais pour une autre destination aux États-Unis, tout ça. J'ai fait des salons qui duraient 10 jours, le salon d'Harrisburg, en Pennsylvanie, qui d'ailleurs, il est en action là. OK? Ah, ouais. Mais je me suis dit, puis là, tu sais, t'es assis dans l'allée, là, dans ton kiosque, là, tu regardes à droite, là, tu vois des pourvoyeurs jusqu'à l'autre bout de l'allée, tu regardes à gauche, tu vois des pourvoyeurs jusqu'à l'autre bout, puis tu vends toutes la même patente. On vend toutes des tartes aux pommes. Là, tu dis, ouais, il faut que je dise que la mienne est meilleure. Ouais. Parce que, tu sais. Puis ils disent toutes que la leur est meilleure, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, la pourvoyerie, quand j'ai acheté, c'était pas connu, puis c'était laissé à l'abandon pas mal, mettons. Il aurait fallu, honnêtement, il aurait fallu que je change de nom. Moi, j'aurais pensé qu'avec l'expérience que j'avais en chasse, le fait que je sois connu, ben, j'étais connu à l'époque au niveau de la chasse, plus qu'aujourd'hui, ça aurait été plus facile à remonter. Mais ça a été un travail parce que, justement, la renommée de la pauvreté était ainsi faite. T'sais, t'amenais pas ta femme là.
Les camps, là, m'a dit, c'était assez ordinaire. Ouais. Écoute, quand j'avais mon dépanneur, je venais d'acheter à Pauvoirie. J'avais booké un salon en Europe. J'étais en train, je m'étais fait des petits pamphlets maison. Là, tu sais, j'étais en train de plier ça, mettre ça dans les valises parce que tu ne peux pas traîner trop de poids. Il y a un de mes clients qui arrive, un client du dépanneur qui arrive. Hey, c'est quoi ça? Ah, je ne connais pas ça, c'est une Pauvoirie. Je suis en train d'acheter ça, là, puis. Quand tu dis, hey, je connais ça, il est en pêche là, moi. Ah ouais? C'était comment? Avec crime. C'était au cool au bout, mon homme. Il dit, tout poisson là, une affaire épouvantable. Ah ouais, super. Puis j'ai dit, les propriétaires, ça avait de l'air. Propriétaires? On les a pas vus. Ils les a pas vus. Tu as été là combien de temps? Ben, il dit, une semaine. Wow. OK, mais le guide, hein? Hein, il n'y a pas personne. Comment il n'y a pas personne? Ah non, t'es arrivé là, nous autres. Non, j'ai lousse. Ouais, le gars venait de se taper à travers la vache, là. Tu sais, je te parlais tantôt. Il est bon, là. Ouais. Ouais, il venait de se taper à travers la vache, là. Parce que c'était le seul chemin qui existait à l'époque pour monter là. Puis il arrive là, il n'y a pas un chat. Lui, il a débarré les portes, il s'est installé, il a pris des moteurs, des chats là, puis il a été à la pêche une semaine de temps. Parti. Essayez. C'est bon. Oui, là, je me disais, OK. Bonne chance. Ah ouais, ouais. Fait que. On était parti sur quoi? Ah, les salons. Les salons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, moi, je resterai pas dans les salons toute ma vie. Oublie ça, faut que je trouve un autre moyen. Puis moi, un ordinateur, c'était pas ma force, mais pas en tout. Moi, tu me demandais où ce qui était mon dossier. Ben, je te disais, c'est dans la petite boîte de beurre en dessous du bureau, là. Comment aller à chercher? C'est pas. Qui l'a mis là? C'est pas. C'est à peu près ça mes réponses. T'sais. Habituellement, c'est pas les forces des chasseurs à l'informatique. Non. Non. Je comprends. Et n'est-ce pas, Marc? Et là, Facebook, ça a déjà commencé, mais là, ça a commencé à bouger plus, pas mal. T'sais. Puis bon, je tombe sur un groupe de jeunes qui s'appelait J7 Media. Okay. Et eux autres, c'était des cracks de la pub Facebook. OK? Une agence de pub. Mais spécialisé Facebook. Mais ça connaissait fuck all à la chasse par la pêche. Ça n'a pas fait la différence entre un chevreuil et un orignal. Là. Moi, ce qui m'aidait, c'est que j'avais beaucoup de films. Parce que j'ai eu des pros de la chasse qui sont venus à Pauvoirie puis qui devaient me mettre au monde, OK? Ouais. Et que ça a vraiment abouti. Tu reçois, ça part, t'as pas de nouvelles, tu sais pas ce qui se passe. Puis en bout de ligne, ben, le pourvoyeur, il se torche. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai mon ami Stéphane Monette qui est arrivé à Pauvoirie, que lui faisait du film. Il dit, hey, le gros, là, achète-toi une caméra, filme, parle devant la caméra, puis c'est le même, ça a commencé. Fait, quand j'ai rencontré les gars de J7 Media, j'avais dit, moi, j'avais comme 3 ans de tournage, là, du film de pêche, puis ouais, de chasse, cool. Puis de tout. Oh, ouais. J'avais du stock. Puis là, ils m'ont fait monter ce qu'on appelle un tunnel de vente. Okay. On a fait de la pub Facebook. Écoute, j'ai rempli la Pauvoirie comme ça. Ça me coûtait 1 000$ par mois de pub, là. Ouais. Un salon me coûte 4 000$ à peu près. C'est cher. Le monde, il se rend pas compte à quel point. Ça faisait 4 d'un mois. Fait le total. J'étais pas chez nous. Fait que l'été, j'étais pas chez nous. Puis l'hiver, j'étais pas chez nous. Fait que ma femme, elle l'aimait pas trop. Elle l'aimait plus, la Pauvoirie trop tôt, là. Ouais, ouais. Puis, fait que, avec 1 000$ par mois, j'ai rempli la pourvoirie. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser au web. OK? Puis j'étais le seul pourvoyeur. J'étais leur seul client pourvoyeur. Ils n'avaient pas d'autres. OK? Puis j'ai essayé d'embarquer d'autres pourvoyeurs avec moi. Puis oublie ça. Je voulais pas. Il a même vu faire des salons. Correct. Toi, t'avais compris quelque chose un petit peu avant les autres, là. Après ça, Chasse-Pêche 2.0 est arrivé. J'avais 2 autres associés. On a décidé de se lancer là-dedans. Puis moi, mon objectif d'être dans ça, c'était de faire un personnage un petit peu public, que les gens me connaissent, ouais. Que quand ils me voient, ils savent que je suis Serge Laprade de la Pauvoirie du Lac-Susie. Chasse-Pêche 2.0, Pauvoirie du Lac-Susie, tu sais, que c'était par la porte d'en arrière, c'était ma façon de faire mon marketing pour la Pauvoirie. Puis, de fil en aiguille, ben ça a monté. On a fait une soirée de film. Là, j'ai commencé à filmer plus, filmer mes chasses, filmer des clients, puis m'amuser à faire ça. C'est trippant au bout, là. Tu sais? Puis, là, le COVID arrive. Ah, fait que là, non, c'est que les gars de J7 Media, eux autres, ils faisaient des lives sur Facebook. OK. Et moi, j'ai dit, ouais, je regardais ces lives parce qu'ils donnaient de l'information dans le but de ramasser des clients par après. C'est ça, leur objectif, c'était ça.
Sur le web, là, faut que tu donnes, puis tu vas recevoir. Mais faut que tu donnes. Ouais. C'est ça la stratégie du web. OK? Et je suis au gars du chat média, Robin Vézina. Je dis à Robin, je dis Robin, faites ça comment les lives? Explique un peu. OK. Mais j'avais commencé avec Chasse-Paye 2.0. J'étais à mes deux chums, j'ai dit on fait des lives. C'est quoi ça? Je leur explique un peu. Ah, oh, ça ne marchera pas. Je fais, écoute, le premier live qu'on fait, je pense qu'on a 200 personnes. Pas d'annonce, pas rien pour. Juste pour l'essayer, là. Juste l'essayer, là. Ah ouais. On a été les premiers à faire des lives au Québec sur la chasse à la pêche. Puis vous avez là, je voyais. Comment? Si vous avez ouvert la porte à tout le monde. Puis ouais. Ce que je trouve merveilleux de tout ça, c'est que ça a rendu beaucoup, beaucoup de contenu de chasse, d'informations, de choses à apprendre, de chroniques, de personnes accessibles à plein de gens pour qui ce n'était pas accessible. Tu sais, à tous les soirs de la semaine, tout ce que tu peux refaire de la chasse 24 sur 24 sur Internet, juste dans notre petite bulle du Québec, parce que ouais. Ça a commencé chez vous. Puis ça, je trouve ça vraiment... Il y a beaucoup de gens qui partagent leurs connaissances gratuitement sur le web. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, la beauté du web. Ouais. Okay? Fait que, de fil en aiguille, ben là, on a commencé. On a reçu des invités, tout ça. Puis bon, ça a monté. Là, on a commencé notre première tournée de soirée de film. On avait 10 villes qu'on a faites. Deuxième année, on se reprépare. Tournée de film, capotante. COVID arrive. Lockdown de la province. Moi, je dis à mes chums, tu sais, parce que là, on a tout, là. Les films sont montés, sont édités, ça a coûté de l'argent. Ouais. On retombe, on commençait notre saison. On avait 2 salles de fête, il en restait 8 à faire. Ouais. Je dis à mes deux chums, je dis, on fait un coup sur le web. Non, ça marchera pas. Moi, entre-temps, je rencontre David, que vous avez rencontré tantôt. Oui. Que lui, il est en arrière du succès de tout ça, là. Parce que lui, c'est un vendeur à la base. Il capote sur le web. Il connaît toutes les facettes du web. Mais il sait comment parler à des chasseurs et des pêcheurs. Ce que mes gars du 7 Media ne savaient pas faire. OK? Il est down to work, mettons, là. Ouais. Ouais. Et là, on fait la première soirée de film. Écoute, on a vendu 3 400 billets en 30 jours, à peu près. Wow. Bon, c'est sûr que ça a été facile. Tout le monde était à la maison. Le monde, il n'y avait rien que ça à faire sur le web. Mais on a monté le show. Puis écoute, on y a pensé, on a fait des prix, tout ça. On a fait un succès avec ça. Après ça, ça ne s'est pas arrêté là. Moi, évidemment, mon côté pourvoyeur, je me dis, avec la COVID, les salons, Tu t'en vas vers ma prochaine question, mais hey, j'ai l'impression que tu as déjà ton air d'aller, Serge. Vas-y. On décide avec David, je parle à David, j'ai dit, on fait un salon virtuel. Il faut trouver le moyen de faire un salon, pas une redirection vers des sites web, un salon que tout ce qui va manquer, c'est une poignée de main. C'est-à-dire que quand tu vas peser sur une kiosque de pauvreté d'Axusie, Serge Dapra va apparaître, il va dire, bonjour monsieur, comment allez-vous, comment puis-je vous aider? Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Et c'est ça que David a réussi à trouver les chemins pour en arriver là. Parce que moi, oublie ça, je t'ai pas hâte de faire ça. Ouais. Là, on a monté ça. Écoute, on a eu en 3 jours 58 000 personnes qui sont venues dans le salon. Un succès. Ouais. Là, on avait des conférenciers, on avait plein de monde. Puis là, on s'est rendu compte, moi puis David, qu'il y avait une demande pour des gens. Qui avait des gens qui sont pas capables de venir dans un salon pour voir les conférenciers. Des fois, c'est trop loin. Parce qu'ils sont trop loin physiquement. Tiens, un salon physique, passer une heure de route, là, tu perds ton monde. Fait qu'il y a plein de gens en région qui veulent avoir des conférenciers puis jaser avec ces gars-là. Ouais. Fait que c'est de là qu'on a fait des formations en ligne, avec Chasse-Pêche 2.0. Puis là, ben, le 4-5 mars, on a quelque chose de big qui s'en vient avec quelque chose qui va suivre, va être encore plus big. Ça s'appelle Click Plein Air, qui est un genre de communauté où il y a plein de rabais, puis il va y avoir des conférenciers. D'ailleurs, Marcello, tu vas donner une conférence, toi, là. Vous deux, vous allez animer. Simon puis Marcello, vous allez animer
un stage, parce qu'on a trois stages. On va avoir un stage pour les pourvoyeurs, un stage pour les compagnies, puis un stage pour des conférenciers. Et ils vont avoir de l'animation au travers ça, puis ils vont avoir... vous allez pouvoir aller rencontrer les pourvoyeurs dans leur kiosque, prendre des rendez-vous avec eux autres, booker. Vous avez des rabais dans des pourvoiries. Donc, ceux qui n'ont pas booké, c'est le temps. Il y a des rabais qui se donnent qui vont vous permettre de il y a une carte de membre, évidemment, que vous devez être membre de Click Plein Air. Mais premier achat, là, puis là, il y a plein d'affaires. Là, je vais vous annoncer ça la semaine prochaine. Là. Mais il y a plein de l'offre de Click Plein Air, déjà là, il y a plus que des rabais que vous allez regagner. Ouais. Fait que c'est vraiment big, là. On a hâte à lundi. C'est un happening chasse-pêche sur le web, en fait. Ah ouais. C'est un autre happening chasse-pêche, puis il y a d'autres choses qui vont s'en venir, parce qu'en fouillant, on découvre des affaires, tu sais. Puis la technologie qu'on a connue il y a 2 ans avec le salon, ouais, est dépassée aujourd'hui, là. On est rendu déjà, ailleurs, là. Déjà. Ah, on est rendu ailleurs, puis tout à l'heure, ça va être autre chose aussi qui s'en vient, là. Puis dans pas long, fait que tous les gens qui me suivent sur Chasse-Pêche 2.0, qui vous suivent, vous autres, aussi, ouais, dans vos podcasts sur Spotify, ben ces gens-là ont de l'information, ils ont le plaisir de venir nous jaser. OK, oui, il manque la poignée de main, là, ils sont prêts, on pourrait leur serrer les mains, là, parce qu'on est à distance, mais on est capable de leur parler quand même, ils sont, ouais, capables de nous voir, tout ça. Puis, mais c'est pas dit qu'on fera pas un je lance ça dans les heures de même, là, je sais pas si David m'écoute, là, mais un événement mix en présentiel et en virtuel en simultané. Ah ben oui, avec des caméras, tout le monde, puis... Serge, je le vois, David, dans l'écran, il est en train de se gratter la tête, là, il est là, non, je le voyais là, non, pas encore, d'après, pas encore. Bref, sur le web, on va avoir plein de projets, là, puis... Il est là, il me regarde, je ne vous ferai pas les gestes qu'il me fait, là, mais... mais comme je connais David, il va commencer à se gratter la tête dans pas long, je le sais, je le connais. Parce que j'arrive avec des idées de même, des fois. On se parle, tu sais, puis on se met à fabuler sur toutes sortes de patentes, tu sais, comment est-ce qu'on est. Il m'arrive 2-3 après, « Ouais, c'était la fête, j'ai trouvé ça, ça, ça. » J'ai dit, tu m'as dit qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de ça tout de suite. Oui, mais quand tu ouvres une porte, il y en a d'autres plus loin. Puis... Ouais, fait que c'est ça la beauté de travailler avec David, c'est que c'est le fun. Parce que on a du plaisir, de un, oui, on travaille fort, il travaille extrêmement fort aussi, mais on a du plaisir à faire ça, puis écoute, on innove, on passe notre temps à innover, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça qui est super cool. Fait que c'est ça, Marcello, pour en venir à mon histoire du web, là, ben... Je vous félicite, bon, les boys, parce que toi et David, vous êtes quand même visionnaires. Tu sais, quand même, pour le web, pour le Québec, chasse-pêche, vous êtes quand même visionnaires là-dessus. Ça vaut à peine de le souligner. Je vous félicite vraiment là, là-dessus. Ouais, ouais. Non, exactement. Puis c'est le plaisir de le faire aussi. Là, là. Puis faire des lives, c'est le fun. Tu sais, mine de rien, là, ben, Simon, Marcello, vous le faites aussi quand vous préparez vos podcasts. Là. Oui. C'est pas derrière du micro 10 minutes avant puis commencer. Non. Là. Non. Et, oui, on fait la recherche, puis pose des questions, on apprend des affaires. Oui. C'est le fun, là, tu sais, je veux dire. Hey, bon, moi, là, attends, là, il y a quelqu'un, là, regarde, oh, oui. Ça, là, ouais. Il y a quelqu'un qui dit, on peut-tu le voir, ce David-là? David, t'as pas le choix de monter en haut. Tu montes en haut. Apparaît 2 minutes, mon Dave, là. Let's go. Le monde va le te voir. Hey, tout le monde. Dave. Encouragez-le des commentaires, là. Hey, t'es fatigué à soir, toi. T'es en train de travailler, monter le site de Click Planet. Alors, tout le monde, je vous présente Super Dave. Bonjour tout le monde. Super Dave, on se calme. Mais non, regarde, on travaille fort, puis c'est le plaisir de travailler, puis de brainstormer, puis d'être créatif, puis de... C'est la flamme, je pense, qu'on a à l'intérieur, tu sais, de dire c'est ça qui nous drive à vouloir développer quelque chose, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est ça. On est tous des passionnés, tu sais, tout le monde qui écoute à soi, c'est des chasseurs, des pêcheurs, puis je pense qu'à la base, c'est la passion qui drive tout ça. Fait que c'est un peu ça. C'est le fun de le faire, genre de chasse et de pêche 12 mois par année, surtout en hiver comme ça, quand que tout est arrêté. Et toi, ma femme, elle me dit, parles-tu d'autre chose de temps en temps? Jamais. Pas souvent. Mais non,
J'en profite pendant que tu es là, David, toi aussi, pour vous féliciter. Pour vrai, vous faites une méchante bonne job, les boys. Encore là, tu sais. Bon, oui, c'est sûr, gars, moi, j'étais nerveux aujourd'hui, tout, mais c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Tu sais, il faut le vivre pour le. Il faut que tu arrives avec du contenu, il faut que tu sois intéressant, il faut que tu veuilles donner du temps. C'est du temps aussi, tu sais. C'est ça. Je vous félicite quand même là-dessus, les boys. Vous êtes quand même solides. Là. Vous faites des beaux événements web. Là. Ben, merci beaucoup. Le 4 et 5 mars, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est là qu'on va dévoiler tout ce qu'on travaille. Ça fait 3 ans, en fait. Là. Ben, ouais. C'est ce qui nous a amené à ça. Parce qu'on a... Comment je te dirais? Le premier salon puis le deuxième salon nous a fait réfléchir à des choses qui nous amènent à ça, tu sais. Ouais. Et c'est probablement pas fini parce que ce qu'on fait là va nous faire réfléchir à ce qu'on va faire tantôt. C'est ça. Ouais, parce que vous êtes tout le temps en train de pousser à notre. Tout le temps en train de pousser à notre. Puis c'est le fun parce que c'est nous autres, les tripeux de chasse, l'autre bord de l'écran qui en profitent. Oui. Mais ils jaillissent pas ça. Quand on ouvre une porte, il y en a tout le temps 4 autres qui s'ouvrent. J'aime dire ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça va être le fun pour le 4-5, mais j'aime pas les caméras. Moi, j'aime pas ça. Là. J'aime tout le temps ça, rester en arrière du rideau. Fait que sur ça, bonsoir tout le monde. Je vais retourner au travail. C'est bon, Dave. Je vais te flasher moi-même. Là. Non, c'est correct. OK. Bon. Ouais. Oui, il y a des forfaits. Écoute, Francis, il y a toutes sortes de forfaits là, de pêche, de chasse. Il y a plein de pourvoyeurs, il y a plein de services qui sont là. Des fabricants, des commerces, des guides qui sont là. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Y a-tu d'autres questions là-dedans? Là? Il y a des questions par rapport à Clic Plein Air. Parle-lui de la chasse à l'ours qui est mentionné en commandite. Faut que je vous compte ça. Patrice Desauniers dit, parle-lui de la chasse à l'ours qui a mentionné en commandite lors du millième de Steph. Bon, en fait, non. Ce que j'ai fait, j'ai voulu jouer un tour à Steph. Ah. C'est dire, je suis arrivé en pleine, j'étais avec Stéphane, on racontait nos histoires de chasse commune ensemble, qu'on a vécu ensemble. Stéphane Monette. Hey, j'ai dit aux gens, je dis, aimeriez-vous ça que moi et Steph, on vous guide une chasse à l'ours? Hey, mon homme, ça a parti. Oh, oui, c'est vrai. Ça a parti, c'est une dérape, mais là, c'est parce que les horaires ne fonctionnent pas. Là. On n'est pas capable de faire ça. Mais peut-être dans un projet futur, qui sait. Vous pouvez venir à la chasse à l'ours, c'est moi qui vais vous guider. Quand même. C'est pas rien, ça. Non, c'est ça. J'aurais une photo de Steph Monette avec moi, tu sais, mettons un petit bonhomme plein. Un t-shirt avec sa face, là. Hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais, je peux me faire faire ça. Les gars, ils font ça en coroplast, c'est sa photo imprimée là-dessus. Tain, toi. Ouais. C'est ça, exactement. Fait qu'écoute. Il va trouver moins jasant avec ses on jase. Il va être moins jasant, celle-là. Écoute, même lui, là, il fait un job. Phénoménal, Steph. Vraiment. Il a fait sa millième, je pense qu'au mois de décembre, la millième, il l'a fait au mois de janvier. Là. Tous les matins, il est là. Je pense qu'il en a manqué quelques-uns parce qu'à un moment donné, il avait comme pas le choix. Là. Tous les matins, il est là, 20 minutes, régulier, comme une horloge d'une montre. On va dire, c'est du stock, pas à peu près. Mais il aime ça, il capote au bout à faire ça. Évidemment, il a son petit côté business à travers ça. C'est bien correct aussi. Oui. Mais tu sais, il faut quand même le faire, là. C'est dédié, là, sur un moyen temps, là. Puis je vais en profiter pour brûler un punch, parce que là, en ce moment, on est dans la saison 2 du podcast de Québec Hunter. Saison 3, Stéphane, il va venir avec son gars, Yann, sur le podcast. Fait qu'on est... Oui. J'étais vraiment content, là. Je suis comme un fan, là. Fait que j'ai bien, bien hâte qu'il soit sur le podcast. Mais c'est pas tout de suite, ça va être pour la prochaine saison, là, mais... Ouais. On va le voir. Ça va être super cool. Ouais, vraiment. Ça va être super le fun. Ouais. Fait que, écoutez, il est déjà 9h moins quart. Ouais, quand même. Fait que ça a été super plaisant. Merci à l'auditoire d'avoir été présent. Merci Simon et Marcello de m'avoir passé au banc des accusés. Ça nous a fait plaisir de passer au banc. Je ne m'attendais pas pour prendre tout à ça, mais il va falloir vous revenir pour qu'on parle de Québec Hunter. En ce qui nous concerne, on va nous retrouver sur ton lien de la plateforme, l'événement Clic Plein Air. On va être là-dessus, Simon et moi.
Effectivement. Puis, on vous suit sur Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. Exact. Et petite annonce que je vais faire en passant, j'ai suivi ton exemple. Je suis Chasse-Pêche 2.0 et aussi sur Spotify. Oui. Depuis la semaine passée. Ça faisait un petit bout de temps que je pensais, mais tu sais comment est-ce qu'on est des fois. Puis quand je t'ai parlé, tu m'as donné comme le coup de pied au cul pour dire « Ouais, OK, je vais le faire. » Puis tu m'as même d'ailleurs aidé à... Tu m'as d'ailleurs aidé à comprendre le système, parce que moi, oui, j'ai beaucoup de choses que je fais maintenant sur le web que je faisais pas avant, mais je suis quand même limité un peu. Là, il y a des affaires que j'ai de la misère à comprendre un peu, mon petit côté TDAH peut-être, là. Puis t'as un t-shirt parce que tu m'as renvoyé appareil, tu m'as donné un coup de main avec l'espèce de programme que toi tu te sers pour faire tes lives et tout ça que je vais intégrer dans le podcast plus tard. C'est un bel échange de gars de chasse qui se donnent des coups de main informatiques. Ben, il faudrait que ça soit comme ça tout le temps. Ça serait super cool de travailler main dans la main avec beaucoup de gens, mais bon. Donc, la semaine prochaine, ben je reçois une équipe qui s'appelle Team Rock Hunter, qui ont une tournée de chasse et pêche, tournée de film, qui va commencer le 17. Ils vont être avec moi. Ils vont venir nous raconter l'histoire de Team Rock Hunter, puis des expériences, puis des anecdotes à plus finir. Écoute, on va se tordre de rire. Ça, je suis au courant. Et le 20, je vais avoir l'équipe de l'heure juste avec Daniel Rupitaille. On va parler de pêche. Faire un petit changement. On parle toujours de chasse, mais là, on va parler de pêche. Puis Marcello, ben mercredi, demain. Toi et moi, on parle avec... De mercredi à quelle heure? À 4h. Le live va être à 4h, mais il va être enregistré, il va être retransmis, donc vous allez pouvoir le suivre quand même. Oh. On va parler avec David Bishop de qu'est-ce qu'un chasseur de plumes a de besoin comme vêtement, puis ça va tourner autour de ça. Et ça fait qu'on va se voir mercredi, Marcello. Fait que, vêtement de sa vagine. C'est ça, vêtements sauvagine. Donc, gros merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Likez, partagez, mettez-nous des commentaires. C'est nos petits bonus qu'on aime. C'est notre récompense, si tu veux, notre petite étoile qu'on se faisait coller quand on était à la petite école, là. Ben, c'est super le fun. Puis là, je sais pas de nous suivre, puis c'est super cool. Fait que. On se revoit pour un prochain live la semaine prochaine. Salut, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Simon, merci Marcello. Ciao tout le monde. Bonne soirée.